Bonjour, je m'appelle Aurélien Achache, je suis diplômé de l'ESEC dans le département production en 2018 et j'ai réalisé un court-métrage qui sera en sélection officielle au Champs-Élysées Film Festival. Mon film s'appelle Séparation. Si je devais le résumer, c'est un drame intimiste dans l'espace, un court-métrage qui parle d'espace, de liens et de souvenirs. Ce projet, il est né du coup en novembre 2020. C'est un film que je voulais être à la fois authentique et en même temps universel. Donc c'était vraiment les deux approches que j'avais. Et j'ai voulu du coup tourner ce film entre la France et l'Ukraine par souci d'authenticité et aussi pour faire un film qui me paraissait vrai. L'ESEC, c'est beaucoup de profs, d'intervenants qui vont te donner une vision de ce qu'est le cinéma pour eux, tout en te laissant te forger ta propre opinion. Donc déjà sur le côté esthétique, je pense que l'ESEC m'a donné en tout cas une liberté de penser, une envie aussi d'explorer ma vision du cinéma. La première chose que l'ESEC m'a apporté, c'est ma bande de films avec qui j'ai monté tout simplement ce film et sur qui j'ai pu compter. Juste après l'ESEC, donc en 2018, j'ai monté du coup mon association qui s'appelle Cineclip. Et très rapidement, en fait, quelques années après, ça a découlé du coup sur ma société de production, Tangible Film. Et cette société de production, le premier projet de cette société de production, c'était un projet de pub avec mon client Argilets. Si je devais donner un conseil à un élève qui s'apprête à sortir de l'ESEC, ce que je lui dirais, c'est peut-être d'avoir une idée assez précise de ce qu'il veut. Je sais que pour moi, ça m'a aidé, j'avais une vision assez claire de ce que je voulais et aussi de ce que je voulais pas. Voilà, savoir précisément ce qu'il veut et les limites qu'il est prêt à mettre pour atteindre ses objectifs. Voilà.